do I speak so too loud? I can be very erotic with that voice. No. Thank you for being here. It's very particular to be here because my film as myself suffered as you by this confinement, by this COVID, this fucking COVID. But it's very emotional for me to bring my baby in this land, in this fantasy land, in this in LA, and LA is a city full of phantasms, full of reality too, full of images and consciousness, unconscious. And so I don't want to speak too long, but I hope I made this film for, it's like a love letter to sons, to daughters, but to mothers too, and to fragile people who I think and I believe they are not that fragile. I think there's a soldier, there's war film, you know very well how to do war films, but it's like a war to connect with himself, with yourself. And I have the chance to have an American distributor who is here, Frank Jaff, from Altered Innocence, and my movie will be released on early March. What is it? Well, on March, maybe on March. We have to be hopeful. So I hope you'll enjoy it and see you soon. Thank you. Ça raconte quoi? Tu me fais le speech. Le pitch. C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile. C'est l'histoire d'un jeune homme, ça aurait pu être les souffrances du jeune Werther, mais c'est les souffrances du jeune Jérémy, d'un jeune homme qui est un peu à côté de sa vie, un peu à côté de ce qu'il doit être comme amoureux, comme fils aussi, et qui, lors de cet été-là, va apprendre des choses incroyables, existentielles, sur qui il est, mais en même temps, c'est vu d'une façon comique et un peu à la manière des films d'Apatow et de Woody Allen. C'est pour toi. Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle avant de te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramsey, voilà. Ce que j'aime, c'est la comédie quand elle est bien écrite, c'est-à-dire quand les personnages passent leur temps à formuler soit leur maladie, soit leur désastre. Et c'est ce que j'aime. Et ce que j'aime dans l'écriture américaine aussi, c'est le flux de paroles. Je trouve que c'est très gourmand, les comédies d'Apatow ou de ceux que j'ai cités. Voilà, donc évidemment, mais c'est pas écrasant parce que je fais pas la différence entre ce qui est grand et petit. Moi, c'est des films. Je me dis souvent que le cinéma, ça me donne des nouvelles du monde, mieux que les actualités finalement. Et j'aime bien avoir des nouvelles du monde de Judd Apatow, des nouvelles du monde de Woody Allen, savoir ce qu'ils pensent un peu de nos vies de fous, quoi. Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon texte pour l'audition. Ne cherche pas à coup. Je ne l'ai pas forcé à venir, les actrices de cette trempe ou pas de cette trempe, les acteurs en général, ils disent oui à un script, à un rôle, elle y a trouvé... c'est une chance et à la fois, je crois qu'elle me l'a dit aussi, que c'était une chance aussi pour elle de tourner ce rôle de Bernadette parce que c'est un rôle que moi j'ai vraiment ciselé, que j'ai vraiment voulu et Nathalie, on s'est choisi vraiment. Moi je trouve qu'il ne faut pas de rapport, il faut des rapports horizontaux quand on fait du cinéma. J'aime pas trop la hiérarchie ou le côté un peu muséal. Forcément je suis fascinée par sa filmographie, par Truffaut, par Spielberg, mais... La fascination, on n'en fait rien sur un tournage, il faut être hyper concret. Et avec Nathalie, c'était d'une simplicité dingue. On veut pas de moi. Pour ces cons-là, tu es trop. Trop? Albert, tu rejoins chez sa mère? Bah non, on est en froid. T'as regardé dans mon téléphone? J'aurais une raison de le faire. Messieurs, le cabinet est fermé. C'est qui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis son mari, monsieur. On n'est pas mariés, tu sors d'ici. Tu sortes! Soigne ta jalousie. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films. Télétransporte-moi. Être universel, c'est aujourd'hui les films à message, blablabla. Moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme je vous le dis, des nouvelles du monde. Je pense qu'un battement d'aile dans le Limousin peut faire frémir et frissonner et pleurer ici, dans l'extra-large californien. Et c'est ce que je crois en tant qu'artiste, c'est ce que je crois dans les peintres, les écrivains. Il n'y a pas de frontières quand on fait de l'art, je crois. Ça va, mon chiffon? Ça va, j'arrive demain. Je descends pour y voir plus clair. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose? T'as l'air tout chose. Pourquoi tu me parles jamais de tes amours? Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi. La suite, c'est l'écriture de mon second long métrage qui est très avancé. Je vais aussi aller vers la musique, voilà, je peux pas trop en parler, mais j'ai aussi un autre rôle magnifique, une coproduction allemande, belge et voilà, française, beaucoup de choses, et du théâtre. J'ai joué Steve Jobs récemment au théâtre, c'était un monologue et j'ai joué ça beaucoup et je vais le reprendre bientôt. Voilà. Parfois je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé. Mais parfois quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie? Mais tu fais de la... Ton père et moi, on n'a pas eu de chance. Tu pourras... Mais je t'ai eu. Ça c'est énorme. Alors là, je suis heureux. Avec toi.